Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait. On est toujours à Atlanta, les petites maisons en mode Desperate, pour ceux qui se rappellent de Desperate. Ok, donc je me suis mis un petit peu là, j'ai dit les gars voilà, on va faire ça dans la B&B où je suis. Ok, je le mets ici. Ok, donc bientôt plus je vais bouger là, je vais retourner à Montréal tranquillement. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Je t'ai dit de t'abonner, je sais même plus si je t'avais dit de t'abonner. Donc en tout cas, tu as dû t'abonner, je pense, parce que tu es un gars qui est conscient qu'ici, ça, c'est du lourd ici. Ok, et passons directement au sujet de la vidéo. 4 idées business pour pouvoir atteindre au moins le million. Ok, donc je vais partager avec toi, même pas 4 idées business, d'accord, pour rentable, d'accord. Je vais partager avec toi les 4 secteurs. Ok, donc ça donne vraiment des possibilités. Parce que je te donne 4 idées, tu vas dire ouais, mais aucune des 4 idées me correspond. Donc là, je vais te donner vraiment les 4 idées, les 4 secteurs qui vont pouvoir te permettre de pouvoir atteindre au moins le million d'euros de chiffre d'affaires grâce à ton business. Là, je parle plutôt business en ligne, d'accord? C'est ce que traite généralement la chaîne. Tout simplement, les secteurs, ça, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé savoir quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé, parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais moi, j'ai commencé mon business en ligne. Le premier business en ligne que j'ai fait, c'est sur le saxophone, d'accord? Donc, ça m'a généré 2000 euros en moyenne par mois. Et du coup, maintenant, je partage sur cette chaîne-là mon expertise par rapport à comment développer un business en ligne. Et je suis aussi consultant business, coach business, comme tu veux. Et j'accompagne un client à tout exploser, à atteindre les 10 000 euros le plus rapidement possible par mois. Du coup, les 4 secteurs, j'aurais bien aimé savoir qu'on me dise dès le début, c'est premier secteur, alors ça va te paraître logique, mais bon, je le dis quand même, les relations. Donc tout ce qui est lié aux relations, ça veut dire comment retrouver son ex, c'est vraiment le truc bateau quoi, comment retrouver son ex, là, il y a énormément de recherches par rapport à ça, il y a énormément de demandes, il y a un marché énorme par rapport à ça, tu auras vraiment du trafic énorme, d'accord. Qui dit trafic énorme, qui dit un marché énorme, bah, dit bah, forcément beaucoup plus d'argent. Par rapport par exemple au saxophone, on est 4 à jouer au saxophone en France. Tu as bien compris que les gens qui recherchent à apprendre à jouer au saxophone, eh ben, il n'y a pas autant de gens que de personnes qui recherchent à savoir bon, comment je peux faire pour récupérer mon ex. Surtout qu'en plus, quand ils sont dans cette situation-là, ils sont dans une grosse souffrance. D'accord. Donc, si jamais tu peux leur apporter une solution pour pouvoir régler ce problème-là, il n'y aura aucun souci. Il n'y aura pas de chichi pour pouvoir acheter tes programmes. D'accord. Donc déjà, tout ce qui est relation, vraiment tout ce qui est relation homme-femme, tout ça, ça fonctionne super bien. Ou sinon, comment ne plus être timide, etc. Tout ce qui est relation en fait sociale avec d'autres gens, si jamais tu as une expertise là-dedans, mon gars, tu es au bon endroit. Tu n'as plus qu'à développer maintenant, c'est à toi de tu es dans le marché, le marché ne sera pas une excuse, d'accord. Si jamais tu veux atteindre le million. Deuxième secteur qui va te permettre de pouvoir atteindre le million d'euros de chiffre d'affaires, c'est la santé. La santé, c'est en plein boom. Maintenant, tout le monde veut manger bio, il faut même des fast-food bio. Les gens prennent conscience que voilà, c'est important de prendre soin de sa santé. Dans tout ce qui est perte de poids, tu vois, c'est vraiment un marché qui est énorme, d'accord. De dire ouais, mais il y a plein de concurrence. T'inquiète pas pour la concurrence, j'ai fait une vidéo là-dessus. La concurrence, si jamais tu restes toi-même, tu vas toi-même te démarquer tout seul, d'accord. Il y a de la place pour tout le monde, ça, c'est pas un souci. Au contraire, s'il y a beaucoup de monde, c'est que c'est là où il faut aller. Il ne faut pas aller à un endroit où il n'y a personne. Donc du coup, le fait que ce soit un gros marché, qu'il y ait beaucoup de gens qui sont en souffrance, qui veulent perdre du poids, et maintenant, il y a énormément de gens qui veulent prendre du poids. Ouais, je pense notamment aux filles. Maintenant, avec la mode des gros, des big booty, ok, toutes les filles veulent prendre du gab, d'accord, elles veulent prendre du gab au niveau du fessier. Donc maintenant, il y a même une grosse demande pour pouvoir prendre du poids. Donc il y a une demande pour perdre du poids, il y a une demande pour prendre du poids. Il y a les gens qui ont des mal de dos, d'accord. Si jamais tu sais comment régler les mal de dos, ça c'est une niche de ouf, tu vois encore. Donc c'est une niche dans une niche. Voilà. Donc par exemple, si tu peux régler les problèmes de dos, là c'est pareil. Donc tout ce qui est lié à la santé, tu peux soulager une douleur, tu peux améliorer la santé de quelqu'un, les gens qui n'ont pas d'énergie, il y a aussi la fatigue chronique, il y a énormément de gens qui sont fatigués chroniques, ils ne le savent même pas, les gens qui sont stressés, tout ça en fait, tout ce qui est autour de la santé, d'accord, si jamais tu as une expertise là-dedans, que tu peux régler un problème, tu peux soulager une douleur que ton marché rencontre, et ben là tu pourras atteindre le million. Ça ne veut pas dire que ça va être facile les gars, j'ai pas dit que comme tu vas être dedans, tu vas faire un million. J'ai dit que c'est la capacité, le potentiel pour pouvoir atteindre le million. Après, il va falloir charbonner, il va falloir persévérer, il va falloir relever ton marketing, etc. Il va falloir taffer, tout simplement. Ensuite, troisième secteur qui rapporte énormément, ben, c'est tout simplement tout ce qui est finance. D'accord. Si jamais tu sais comment faire gagner de l'argent à quelqu'un d'autre, ça veut dire que ce soit par le trading, que ce soit par l'immobilier, d'accord, parce que tu as des expertises là-dessus, tu saurais comment aider quelqu'un ou le conseiller pour pouvoir faire un bon investissement, par exemple, dans quelque chose. Bon, ben là, tu as le million assuré, d'accord. En tout cas, le marché potentiellement est énorme pour pouvoir atteindre le million sans problème. Si tu ne le fais pas, ça ne veut pas dire que ça va être facile.
Voilà, mais si tu ne le fais pas, c'est parce que tu n'as pas persévéré, tu n'as pas bossé. Donc si tu es dedans, tu ne peux que atteindre ce chiffre-là si jamais tu es déterminé et que tu fais partie de notre équipe. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on est déterminés, donc on va jusqu'au bout. Tu es sur le bon marché, tu n'auras pas d'excuses. Donc d'ailleurs, en plus, j'accompagne consultant, coach, tout ça, tout ce qui est en finance. Si tu sais comment faire gagner de l'argent aux gens, ben, je peux t'aider à faire le million. Tu ne vas pas le faire tout de suite parce que déjà, on va essayer d'atteindre les 10 000 euros par mois. Donc ça, si tu cliques sur le lien qui est juste en dessous, tu auras accès à la masterclass où je partage en fait les stratégies utilisées avec mes clients pour leur permettre d'atteindre les 10 000 euros par mois. Voilà, ça c'était le petit moment pub. Ensuite, quatrième secteur où tu peux te faire de l'argent. Et là, tu te dis suspense, qu'est-ce qu'il va dire? Ah ben écoute, là, ça va être une idée business, ok? Parce qu'en fait, ça peut être les passions, mais après, pas n'importe quelle passion. Il faut que ça soit une passion où les gens ont l'habitude d'investir beaucoup d'argent dans cette passion. Donc, tu as compris, par exemple, que tu ne vas pas prendre le football. Parce que le football, les gars achètent un ballon et c'est fini. D'accord? Donc, même si le marché, il est énorme, ça va être compliqué, tu vois, de faire le million. En tout cas, il va falloir que tu fasses des petits produits. Je ne sais même pas quel genre tu peux faire de produits. Ou... Mais en tout cas, je ne pense pas que ça soit là-dessus que tu devrais aller. Il faut vraiment aller peut-être sur des passions un peu luxe, tu vois, un peu comme le golf. D'accord? Je pense à mon ami qui est golfeur et qui s'en sort très 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 bien et qui a fait à l'époque, je ne sais plus combien il a fait, donc je ne vais pas te dire de bêtises, mais je crois qu'il a fait le million grâce à son business en ligne sur le golf. Du coup, Joël, voilà, Joël Bernard, donc comme ça tu pourras vérifier. Donc il a réussi à faire le million grâce à son business en ligne sur le golf. Voilà pourquoi, parce que les gens qui sont dans le golf ont l'habitude d'investir énormément dans le golf. C'est important pour eux de pouvoir bien jouer, d'améliorer leur swing, etc. Donc ils n'auront pas peur d'investir leur argent. Donc du coup, là tu seras sur une niche, un marché qui te permettra d'atteindre le million. Maintenant, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être aussi la voile. Je sais qu'à chaque fois, ça fait un moment que personne ne s'est mis sur la passion de la voile. Mais la voile, voilà, c'est des gens qui ont aussi l'habitude d'investir énormément dans des bateaux. Donc c'est des gens qui ont des moyens, tu vois. Donc c'est la clientèle que tu touches, c'est des gens qui ont l'habitude d'investir en eux pour s'investir dans leur passion. Donc du coup, forcément, quand tu vas faire des formations, tu vas pouvoir mettre des tarifs beaucoup plus élevés que voilà, de vendre des formations à 57 euros ou 27 euros si jamais tu fais un truc sur le football, par exemple. Donc voilà, c'était un peu les quatre secteurs que je voulais partager avec toi pour pouvoir atteindre le million avec ton business en ligne. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien si jamais ce n'est pas encore fait, d'accord? Si jamais tu veux créer ton business en ligne. En plus, je partage plus de 25 idées. Là, c'est vraiment des idées détaillées dans ma formation offerte qui est juste en dessous, d'accord? Ce sera dans la description. Tu as juste à cliquer en dessous la description et tu verras. J'ai une formation offerte pour créer ton business en ligne et je partage avec toi dans cette formation offerte plus de 25 idées de business en ligne, d'accord? Donc si tu veux aller plus loin et vraiment voir en détail sur quelle vraiment niche sous niche que tu peux te lancer, tout sera dans la formation. Maintenant, pour les coachs et consultants, je te l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je te le redis parce que pour être sûr que tu l'entendes, d'accord? Tout ce qui est coach, consultant, dans les relations, dans la santé et dans les finances, d'accord? Tu sais comment faire gagner de l'argent à quelqu'un, d'accord? Que ce soit avec le trading, que ce soit avec l'immobilier. J'ai fait une masterclass, d'accord? Elle est offerte où je te donne toutes les stratégies que j'utilise avec mes clients. D'accord? Tu te dis peut-être que je suis un malade. Comment ça se fait que je te donne toutes mes stratégies? Ben, pourquoi? Parce que tout simplement, déjà, j'apporte de la valeur. Quand j'apporte de la valeur, ben, tu te dis, ah ben tiens, lui, il n'est pas bête, lui. Il m'a l'air de connaître quand même, il a l'air de connaître son sujet. Donc déjà, tu seras content. Tu vas peut-être essayer de le mettre en place tout seul ou sinon, tu vas vouloir que je t'accompagne à le faire, tout simplement. Donc c'est juste une stratégie pour pouvoir me faire connaître et que tu puisses me faire confiance et voir si jamais tu vas aller plus vite. Parce que forcément, quand tu es accompagné, tu vas plus vite pour pouvoir atteindre les 10 000 euros rapidement. Ok, donc d'ici là, les gars, prenez soin de vous. On lâche rien et on reste déterminés.